Il a vu du sang mais plus par terre sur le. Il dit on avait vraiment partout par terre. Ce vlog, il part un peu dans tous les sens, un peu comme Alex. Yes, bah franchement, on avait. Yeah, man, I remember being so naive when life was good, weather and palm trees. Back in the day, you were everything I need. Comment ça va le vlog? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Même pas à Paris. On est pas à Paris. On a quitté Paris. On est à Bacon. On est à Bacon. Monsieur Torreux, bonjour. Bonjour, vous êtes où là? Bonjour, bonsoir. On est devant. Torreux, ça va? Ça fait longtemps. Allez, bon gosse. T'as toujours un peu de variation. Bon, on est chez Alex. Oh, et il sait qu'il a quelque chose de ouf. Le plus beau des furets, elle s'appelle Nezuko, comme dans Demon Slayer. Bon là je suis encore avec la caméra de vlog, je suis encore avec l'Insta 360, mais on va filmer avec la super belle caméra. Donc wow, ça va vachement mieux. C'est marrant, c'est pas un chat. Et je crois qu'il faisait ça pour protéger. Merci gros. Alors on revient tranquillement d'avoir fait les courses. Alex, il nous raconte un truc, c'est quoi ton cigario? Ça là, c'est le cigario de la glace. C'est-à-dire que quand t'assumes pas le fait d'arrêter de manger du sucre ou d'arrêter de fumer, bah tu vas acheter un cigario, bah t'achètes ça. C'est un peu genre, c'est la petite glace. Pour ce soir, on va passer un super moment. Et j'ai laissé la furette de ma vie seule. Abonnés à Poupon sont au courant que ça arrivait pas plus tard que hier, soit l'entière. Nezuko ! Acheter un furet qu'ils disent, acheter un furet, t'es vachement bien. Comment ça va le vlog ? Aujourd'hui, on nettoie les conneries de Nezuko, la plus belle. On voit ton cul, Alex. Le seul truc qui est réconfortant, c'est que ça sent la terre. Alors, Poupon, qu'est-ce que c'est ? Je t'invite à filmer juste ici. Poupon, c'est le compte Instagram qu'on a, ma petite chérie et moi, Amélie Voisin, autour du jeu de société. Vous aimez les jeux de société? Vous découvrez un petit peu le jeu de société? Vous ne connaissez rien du tout? Eh ben Poutpout est là pour vous. On parle un petit peu, on fait des petites définitions sur les termes du jeu de société qu'on connaît pas trop, par exemple deck building. On explique c'est quoi la composante de deck building très très sommairement et on envoie sur des articles beaucoup plus spécifiques qui creusent beaucoup plus le sujet. Voilà, donc si vous voulez voir quelque chose de très extrêmement bien géré par Amélie Voisin, eh ben vous avez Poutpout. Tu crois que du coup si on la met dans le vlog elle m'aimerait un peu mieux? Je sais pas, moi. T'as l'impression qu'elle a envie de mieux t'aimer? Bah pendant le court moment où vous étiez là. Bah non, elle est partie. Elle est partie vite. Regarde Amélie, je suis quelqu'un de gentil, je fais la vaisselle. Parce qu'elle m'aime pas. Moi je l'aime bien Amélie. Nezuko est une furette. Les furets font partie de la race des mustélidés. C'est-à-dire que concrètement, c'est quoi? C'est une espèce de petite loutre, mais terrestre. Franchement, c'est ça. En tout cas, celle-ci, tu vois, elle est trop mignonne. Mais oui, mais c'est juste une amoureuse. Moi, je suis trop amoureux d'elle. Elle a un peu moins d'un an. Et voilà, au début, c'était un peu dur. Elle mordait beaucoup. Vraiment, j'aurais jamais cru qu'à un moment, elle soit comme ça. Mais à force de patience et d'amour, en fait, ça se passe très très bien. Sachant que cet animal-là, elle mord les doigts, mais à un moment, elle casse des os de poulet avec sa bouche. Donc, si quand elle me chopait le doigt, elle voulait vraiment me défoncer le doigt, elle le ferait, en fait. Alors, on est où ton épée, Alex? Bah, je tente des trucs. C'est dégueu, mais c'est juste pour qu'elle tienne. En fait, pour que vraiment... Alors, je vous rassure, pour le vlog, Alex est un adulte. Alex a eu un travail, il a un appartement... J'ai payé des impôts à l'URSSAF, des fois. Et Alex, Alex, il fabrique des épées. Oui, et je fabrique des épées, mais je suis grand, hein. Je suis un grand garçon. Mais c'est un grand garçon, Alex. C'est un grand garçon. Et là, c'est pour que ça évite de tourner trop. Ouah, ça va tourner de ouf, quand même. Attends. Faudrait que je fasse comment? Ah, mais j'aurais dû fixer. En l'honneur de poutpout.js. Abonne-toi! I'm trying to touch the stakes this time. 2021. Yeah, show him I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long?
day, wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. I said the gritty, you could get hit any day now. Je vois l'épée ici. Vous allez pas le croire, mais en jouant l'épée cet après-midi, notre forgeron de mousse s'est blessé. Je me suis fait vraiment très très mal au doigt. Vraiment, il y a du sang encore dans ma salle de bain. Antoine, il est rentré, il a vu du sang. Moi, j'étais partout par terre. Il y en avait vraiment partout par terre. J'avais plus peur que vous rentriez et que vous voyiez à quel point je m'étais blessé et que vous stressiez plutôt que ma blessure. Alors que franchement, je pense que j'aurais mérité peut-être un point ou deux de suture. Bon, du coup, vous avez pas les images. C'est dégueu. Donc, si jamais vous jouez avec des épées en mousse, faites attention, on peut se blesser. J'ai vraiment des demi-ronds sur mes doigts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me battais avec Arthur, qui se battait pour la première fois. J'ai mis un grand coup avec lui, qui avait sa garde. Enfin, j'ai essayé de lui mettre un coup. J'ai mis un grand coup comme ça dans des tubes en acier, ce qui fait que ça a fait vraiment des demi-cercles de trous, en fait, dans ma peau. Il y a vraiment eu plus d'un millimètre de ma peau qui faisait... C'est bon, gros. On tient plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu et que vous avez envie de regarder plus sur les jeux de société, abonnez-vous à Poutpout.jds. Allez vous abonner, allez regarder un petit peu ce qu'ils font. Ils font un calendrier en ce moment, un jeu de société par jour sur leur Instagram. C'est très sympa. Et nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Alors, abonne-toi. J'ai 59 abonnés sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste peu de vidéos. Mais j'ai une raison. Ah bon, je vais pas vous la dire non plus. Eh, on garde le mystère. Une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube sur pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs mois. On se faisait des épées en mousse. Ta gueule.